10 ans de mariage. J'ai l'impression que c'était hier. Les enfants ont grandi. On a presque fini de payer le premier quart de la maison. Alec n'a jamais été aussi heureux. Il nage dans le bonheur. 10 ans. Ouais, Laurent, t'as bien entendu, cette année, ça fait 10 ans. Elle me gonfle depuis 10 ans. J'en peux plus, je te jure, je sais pas comment ils font les autres couples pour tenir. Ils doivent recevoir une prime, un truc qui tombe tous les mois, tu vois. Dès les premières secondes, le ton est donné. Un couple à la dérive, un soupçon de machisme juste pour rire, des répliques simples, une mise en scène inspirée du stand-up. Tous les ingrédients d'un succès populaire sont réunis. Alil Vardar, l'auteur et acteur de cette pièce de boulevard, avait déjà testé la recette dans son précédent spectacle, Le Clan des Divorcés. Avec 10 ans de mariage, il remet le couvert. Le couple, l'amour, moi je pense que c'est quand même ce qui est le plus porteur. Les plus grandes chansons, c'est les chansons d'amour. Les plus grands films, c'est les films d'amour. Puis moi, je ne vous cache pas que j'ai vraiment une... pas une spécialisation, mais j'adore parler du couple parce que je parle des gens. Et comme c'est eux qui viennent me voir, ils ont l'impression dans mes spectacles de se voir eux. Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Ce que tu ne me fais plus depuis longtemps. Mon Dieu. Pendant 90 minutes, ce genre de dialogue fuse, le public en sort ravi. C'était très drôle et très 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 bien joué, vraiment très bien joué. Remarquable, c'est vraiment hilar, c'est vraiment très bon, les réparties sont... j'ai vraiment passé une bonne soirée. On a adoré, c'était très très bien écrit, c'était génial, ouais, vraiment très très rythmé, très réaliste, donc super. Ouais. Avec 400 représentations par an, 10 ans de mariage est un carton à Paris et en province. Hier soir, 1 millier de personnes s'étaient déplacées au Théâtre de l'Empire pour 27 000 euros au coût du spectacle. La mairie d'Ajaccio, c'est sûr, a fait une bonne affaire.